insulter. L'équipe est ratée, Wibi. Wibi. Bandibo, je vais vous faire la première mi-tante. Quand je vais vous faire la première mi-tante, je vais vous faire la première mi-tante. Je vais vous faire la première mi-tante. Je vais vous faire la première de Pascal, qui plusieurs joueurs à nos 40. Les gens qui se sont déplacés pour venir à ce spectacle, c'est pas des... Pour une justification symbolique, je ne vais pas distraire, attention, et va donner le coup d'envoi. Et prend l'élan, et prend l'élan. C'est parti, c'est parti. Voilà, maman, s'il vous plaît. Quelle joie. Ça fait une fierté. C'est le coup d'envoi de départ. L'équipe Arcage Sport s'est habillée. C'est parti pour cette première période. On puisse réitérer les gardiens qui interviennent. Ouf, la tête, attention, c'est pas le coup du gardien. Quelle prestation. Et raison à les gars qui étaient tellement prudents de pouvoir bouger le filet. Le groupe doit pouvoir se rattraper avec cette belle opportunité qui lui a été confiée. Mais ce que vous venez de faire, dans le cadre du tournoi, 80% des joueurs sont les joueurs, sont les joueurs de l'équipe de l'INAFOOT. Vous avez dit que vous avez un détail. Mais grâce à ce tournoi, il permet de préparer ce qu'on appelle la pré-saison. Pour vous être en forme avant ces jeux, ça a été et bien. Joyeux anniversaire à maman. Allez, anniversaire. Commençons donc par les officiels. Ils seront primés. Théo. Théo. Ex Pascal, finaliste Valérie, prestation. Oui, ils ont multiplié les efforts d'avis. Yeah.
une deuxième médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais, de 97 kilos, s'est débarrassé de la plus belle manière du Français Unkaev, 6 contre 2. On a tellement reçu pour ma casse. Parce que j'ai une médaille pendant 2 ans en Haïti. On a ça d'argent, on a ça de bronze. Oui, pendant 2 ans, j'ai une médaille d'or. On a ça qui a eu pas en ATP, parce que c'est tombé dans Haïti. On a acquis tellement fort dans la morale. Ouais, bah, c'est fort dans la morale. Et puis, présent en Haïti, il y a rien qui t'encourage. Présent, c'est une rate à salle. Donc, ça a l'air bien, moi, il a raté mon gros à la fin. On a relevé les défis. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toutes ces soirées. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwanakabulo, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassure que l'espoir congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont de véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux. Et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique qu'on n'a jamais gagnée. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles. Peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze.
Si, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu. Bon, c'est le jeu, hein. C'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir. Vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents. Très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marque. C'est la meilleure. Là. Mais bon, on comprend. Courage, hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi. Les supporters étaient aussi très fiers d'eux. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez. Pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave. C'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui, on a des installations. On va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Pose à monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va, c'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honoré. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. 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 Et ça va rater.